voyage, on voyage. On va éviter de chercher la merde. Donc à l'est. Donc on est d'accord. Merde, attends. Hop. Vers des... Attends, non. Sens des sables, c'est... Viens pour... Milieu désertique, rien à voir. Ok. Rien à voir avec mer et... Ouais, donc en fait, il est en train de nous expliquer qu'il y a des lieux de pêche en milieu désertique. Est-ce d'ici, mais attends... Ce point d'eau à la con. Ce serait là. Non. Hop, tac, 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 tac. Non mais. Il y aura vite cette mission. Vas-y, on est prêt. Ah, mission accomplie. Ça va qu'on a tué le boss rapidement, parce que là, il y a le renfort qui arrivait. Donc. J'ai vers des sables, milieu désertique. Donc logiquement c'est là. Eh ben on l'a.
Sortez rapide. J'aime bien ces missions comme ça. Rapide, efficace. En fait, t'as une mission sur deux. C'est un truc où tu te dis, tiens, tu peux pêcher comme ça. Et c'est juste un qui te fait faire pêcher. Après, t'as une mission. Bon, voilà, là, faut t'en choper 10 maintenant. Un truc. Bon, ça, c'était pas trop chiant. C'était. Le plus chiant, c'est venir. Là où c'était, quoi. Toctix, le silure des sables, la gentille aventure va lui empêcher un. Mais bien sûr que oui. Ça c'est bien que Toctix avait mangé à l'oasis oublié. Merci, merci beaucoup à l'aventurière. Toctix aime beaucoup la chair des silures des sables. L'odeur est très bonne ici. La peau et les moustaches sont très solides aussi. Toctix va faire un joli sac avec et le vendre très cher. Grâce à l'aventurière, Toctix va devenir riche. Toctix ne connaît pas de meilleure pêcheuse. Bah, je sais que je suis le meilleur. Ouais, on va prendre une meilleure tenue quand même. Donc, maintenant, on doit faire une quête des mentalistes quelque part à un moment donné. Je dois tuer des petits Acarus. Attends, c'est une quête? Bah vas-y. Attends, avant d'engrainer. Ouais, voilà. Hop, on va faire archer comme ça, je le monte du niveau 5. En plus, c'est une cible! C'est parfait. Attends, on fait le boss. Mais ouais, mais même avec mon Mutali, c'est les petits Arcaris, il faut que je les tue. Hein.
Bon, on va mettre du temps à le tuer, mais... Là, on va le faire. J'aime pas regarder les missions, c'est quoi la prochaine? Les petites attaques là, oui. Bon, je me rappelle si j'ai une cible pour les hasts aussi. On va faire beaucoup mieux last en point de départ des Grindania. Oh, c'est bien moi, Nolanel. Êtes-vous enchanté de faire votre connaissance, Rodjil? Maître Isumi m'a parlé de vous. Alors, comme ça, vous désirez de vous initier à l'élément terre? Sachez que tout d'abord, la terre est la base de l'élémentalisme. C'est sur cet élément que reposent les fondements de notre discipline. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je sais que vous êtes aventurier et très occupé. Aussi, plutôt que de nous focaliser sur la théorie, j'ai pensé à une épreuve pratique qui vous aidera à vous familiariser avec cet élément. Ma chère Jill, voici ce que vous devez faire. À l'est d'ici se trouve l'écurie des murmures. Je veux que vous y rendiez et que vous cherchiez ce qu'on appelle la corruption terrestre. Ces corruptions sont des altérations élémentaires qui agissent comme des bouchons et empêchent le flux énergétique de s'écouler normalement. Approchez-vous de ces corruptions et entrez en contact avec l'être qui s'y cache en la touchant délicatement. Celui-ci devrait alors manifester sa colère en vous attaquant. A vous d'utiliser les compétences élémentalistes pour le pacifier et le renvoyer d'où il vient. Je vous souhaite bonne chance. Rien de plus facile. Faudra que j'essaye de... pour les raids, avoir une classe de soins, de healer, tank, bon ça j'ai, et un DPS. Et en surrunner, je kifferais bien en DPS. C'est Vianne qui t'envoie. Quelle chance. Je ne pensais pas qu'elle trouverait quelqu'un pour cette livraison. Les sacs prêts à livrer sont encore tièdes. Ils t'attendent dans le coin, là. Avec l'odeur qui dégage, on ne pouvait décidément pas les stocker à l'intérieur. Nolanel, un druide, t'attend au bourgeon béni, c'est à l'ouest en entrant dans la forêt.
Ok pour la corruption. Je vois que tu n'as fait qu'une bouchée de ces sables de bête. Que de ces sables. Ah! Je vois que tu as fait qu'une bouchée de ces sables bêtes. Voilà une bonne chose de fait. On va pouvoir se concentrer sur l'entraînement maintenant. Les chocobons sont de petites choses délicates et peureuses, tu sais. Il faut les entraîner avec douceur et patience pendant un sacré bout de temps avant qu'ils acceptent que les aventuriers ou des soldats les chevauchent. Merci d'être venu à bout de ces Zachary. Si tu as le temps, n'hésite pas à les aider ceux qui en ont besoin, tu ne regretteras pas. Bon, bah, c'était une autre quête. Aventurière, nous avons une mission pour les combattants expérimentés tels que toi. Il faudrait que tu ailles capturer ces pucerons des bois dans les arbrisseaux de la forêt. Tu en trouveras facilement dans les alentours du bourgeon béni. Reste prudente si tu pars chasser. Les coccinelles n'hésiteront pas à attaquer si elles te sentent que tu as capturé ces insectes. Ils en raffolent. Va ensuite livrer ces pucerons capturés au capitaine Guthrie à la tour des Tates. Il surveille l'écurie de notre... Et c'est notre façon de le remercier. Ok. Là, d'abord... Va là-bas. Je fais les hopos. Là, c'est le retour des Zélias qu'on fait dans la zone. Hein. Allez, on réussit. Il semblerait que vous soyez parvenu à pacifier l'élémentaire de terre corrompue, voilà qui est fort réjouissante. Qu'avez-vous pensé de ce combat? Avez-vous ressenti la toute-puissance de la terre lorsque vous avez subi les attaques de votre adversaire? Bon, c'était tranquille. En pacifiant cet élémentaire de terre corrompue, vous avez établi l'ordre des choses
l'ordre des naturel des choses. Depuis que la déraction a disparu, l'énergie de terre s'écoule à nouveau à travers le champ de l'écurie des murmures. Ce terrain est particulièrement riche. Ces cultures seront certainement très prolifiques à l'avenir. Dorénavant, chaque fois que vous ferez appel à la magie de terre, je veux que vous repensiez à cette journée. Souvenez-vous que la force de notre adversaire est de la force avec laquelle vous vous êtes battu. C'est en vous remémorant cette sensation encore et encore que vous approcherez de la connaissance ultime de la nature. Ce conseil est aussi valable pour vous, Sylphie. Prenez donc exemple sur notre camarade. Vous ne pourrez jamais devenir une bonne élémentaliste si vous refusez d'étudier la nature. C'est inutile. Je n'ai pas besoin d'étudier la nature pour utiliser la magie élémentaire. La preuve. Sylphie, vous avez un don rare pour la magie curative, mais notre discipline ne se limite pas à cela. Du moment que je passionne ceux qui en ont besoin, ça me suffit. Ouais, écoute. Si c'est une bonne idée. Ouais, en vrai, c'est ce que je demande. Hein. Parfois, je me demande pourquoi je m'acharne à essayer de lui expliquer. D'essayer de lui faire entendre raison. Sylphie a rejoint la guide peu avant vous. Comme vous l'avez remarqué, elle possède un talent indéniable pour la magie curative. Hélas, elle ne s'intéresse nullement à la nature, la source même de son pouvoir. Au lieu de cela, elle déambule là par ça et là, en guérissant les gens au hasard de ses rencontres, et nous cause bien des soucis, vous savez. Vous, en revanche, vous êtes un élève exemplaire. Revenez voir Maître Esumi et dites-lui que vous avez passé avec brio l'épreuve de la Terre. Je vous souhaite une bonne continuation. Ok. Et t'avais une autre quête. Je sens que ma livraison est arrivée. Je vous remercierai jamais assez. Vous devez vraiment avoir le cœur sur la main pour accepter de manipuler un tel produit. Il n'y a rien de tel que la fente de chocobo bien riche en nutriments si l'on veut qu'un sol fertile pour ses jeunes pousses. Saviez-vous que l'on s'en sert également pour cultiver les légumes de Gestal? Putain la vache, le truc qui est passé là. N'oubliez pas de dire à Vionne que vous m'avez livré les sacs et lavez-vous les mains. C'est une odeur dont on se débarrasse difficilement. Ok. Revoilà mon ami l'aventurière. Hein, quoi? J'ai oublié de te dire que ces sacs contenaient du fumier. Oups, désolé, ça m'était complètement sorti d'esprit. Merci pour ton aide en tout cas. Tiens, voilà un petit quelque chose pour te remercier. Je suis gentil. Après, on a des quêtes là-bas. On ira voir. Il paraît que tu as quelque chose pour moi. Oui. Des pucerons de bois de la part de Baudouin, cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces pucerons? Tu sais, ils sont répugnants de première vue, mais on tire des insectes de nul d'une qualité optimale pour l'entretien des armes. Cette livraison de Tomapic a commencé justement à être à court. Il ne faudra pas que j'oublie de remercier Baudouin. Dis, tu ne voudrais pas nous aider à mettre une raclée à ces Xali? On nous a approché un petit groupe d'éclaireurs Xali qui rôderaient près de la rivière, mais avec ces écueils de murmures et les bourgeons bénis au sud, on ne peut pas les laisser passer ça. Il faut faire quelque chose avant qu'ils n'aillent plus loin. Il suffirait sans doute d'en roser quelques-uns pour tous les calmer. Donc nous avons deux Xali cerfs usés et deux Xali ailes perdues et deux Xali bec lent pour commencer. Espérons qu'ils comprendront ce message. Ok. Bah bon, on y go. Let's go.
Bon, on va pas jouer avec le Mordor, on va profiter de monter d'autres classes. Les bûcherons, Flo est niqué. Bon, il y en a d'autres qui apparaîtront. C'est bon. Bon, lui il va pas me laisser tranquille là, ce que j'ai compris. Ah c'est... Oh il est revenu chercher la merde. Oh il est reparti, ok. Ok, quelles autres classes? Qu'est-ce que c'est une cible? Ah, Léopold. Merde. C'est trop vite. Brave, on n'a pas de problème. Ok, est-ce que l'archer... Merde. L'archer, c'est Muchon. Ok. Ah, faut un autre mûcheron. Oh putain, il doit bien avoir dans le coin. Bah voilà.
Bon travail, l'ami. Grâce à toi, je pense qu'on est tranquille pour un bon moment, merci. Nous allons maintenant devoir choisir entre deux stratégies. Si nous profitons de l'accalmie pour renforcer nos défenses, soit nous enfonçons le clou et partons éradiquer ces maudits Xali. Il va falloir que je me demande conseil à Sweetina. Allons au nord. Et au passage, j'ai vu qu'il y avait une quête avec les lampes. Deuxième borne, on verra après. Ah ! Notre cible ! Quoi, c'est pour soigner ça ? Ouais. Ah non, c'est pour leur dormir. Avec. Hop. Ah, et on bouge. En plus, il y a un event. Une aléa. Attends, moi ce que j'espère c'est qu'il y a des gars qui se battent. Ouais, il y a un mec, ok.
plus vite parce que là, on peut péter un sac là. C'est bon. Bonjour mon tueur, soyez la bienvenue. Ouais, bah ça c'est pas de l'habituel. Bien, je ne crois pas t'avoir déjà vu ici. T'es une aventurière? Moi c'est Edbert, je suis un vigile sombre chargé de la protection du moulin des bois. J'aimerais te confier une mission, mais tu dois d'abord me prouver que tu es une digne de confiance. Ne prends pas la mouche, ce n'est rien de personnel. Considère ça comme une sorte d'examen de passage à la ressource. Les ressources militaires de notre hameau sont limitées et on est toujours à la recherche d'aventuriers compétents pour nous aider en cas de besoin. En parlant de mouches, il faudra que l'on ait en... Il se trouve qu'on est envahi par les mûcherons en ce moment. Ils s'attaquent aux villages, aux villageois et perturbent nos patrouilles. Ainsi, pour commencer, je vais te demander de venir à bout de 6 leurs nuées. Ok. Et on a une quête ici aussi. Vous êtes aventurier, n'est-ce pas? J'aimerais vous confier un petit travail, voilà. Il faudra récolter pour moi un champignon bioluminescent dans la forêt. Il s'agit de l'Agaricus luxanterna, un agari qui a pour propriété unique de luire dans l'obscurité. Vous, vous le reconnaîtrez à sa lueur pâle. On peut en trouver au sud des achoppements rocheux proche de l'arbre. Je sais qu'il y en a au sud-ouest de la Somme de la Paix. Si c'est un terrain assez humide, vous verrez sans doute d'autres champignons dans les environs, mais celui-ci que je cherche est bien particulier. Le seul Archaeocus luxanterna émet une lueur vive. C'est à cela que vous le reconnaîtrez, cueillez-en un et ramenez-le-moi. J'aimerais pouvoir y aller moi-même, mais dans les environs, ne sont pas sûrs avec les Xali, qui patrouillent parfois. Si vous pouvez vous en occuper, cela m'aiderait vraiment. Ok. Ouais, mission mûcheron. Oh, j'ai relancé vent, je suis con. Oh, t'as rempli ta mission avec brio. Tiens, c'est pour te récompenser de tes efforts. Maintenant, je sais que t'es une aventurière digne de ce nom. J'aimerais te confier une mission plus délicate.
Tu as prouvé que tu étais une aventurière digne de ce nom. Aussi, je vais te confier une mission particulièrement sensible et je voudrais que tu ailles inspecter un des arbres de l'orée. Puisque peut-être que l'ignores-tu, mais ces végétaux sacrés veillent sur la sylve des douze depuis des millénaires. Or, on m'a signalé que des escouades d'Ixali ont récemment été aperçues à proximité de celui de la forêt du Nord et ça m'inquiète. Je pense qu'il s'agit avant tout des éclaireurs, mais on ne sait jamais avec ces barbares. J'imagine qu'ils profanent cet arbre pour honorer leur divinité de ce fait tout simplement catastrophique. Voilà pourquoi je voudrais que tu te rendes au sud-est d'ici et que tu inspectes, et si jamais tu crois des Ixali en route, fais leur comprendre qu'on ne le viole pas la sacralité de la cible impunément. Les Ixali sont des êtres belliqueux. Équipe-toi de la tête aux pieds et sois très prudente lors de ton exploration. Ok. Allez. Donc ça déjà, c'est le champi de l'autre. Voilà, mission accomplie, on peut tout ramener. Sauf qu'il y a une aléa à côté de boss qu'on va faire tout de suite. Venir cet enculé. Je vais remettre du temps à casser sa gueule à lui. Ça va être long, hein. J'espère qu'il y a des gars qui vont venir aider. Que j'y sors soin et que je peux le faire quand je veux.
Ça va être très loin. Ah bah ok, je peux pas. Allez! Oh, ça va être énormément long. Vas-y, c'est pas possible, c'est pas gérable. Nico, je vais changer de classe là. Oh là là. Pourquoi je peux pas changer de classe? C'est une dinguerie ça. Putain. Oh, il m'a énervé celui-là. Hein. Putain, même avec cette classe, il... Il a du mal à apprendre. Hein. Mais il prend déjà beaucoup plus là. Même avec mon maraudeur, j'ai du mal. Bon, je sais que je suis capé niveau 10. Non, niveau 13, mais bon. Putain. J'ai intérêt à donner une bonne récompense, hein. Putain, voilà la récompense de merde. Ouais, j'ai connu qu'une seule aléa, mais c'était un boss hyper cheaté. Ou qui avait donné une mascotte. Ça, je me dis des fois. Dans tous ces essais. Tu t'es fait attaquer par un éclair à Exal, et t'es venu à bout. Quelle histoire! En tout cas, bravo, grâce à toi, on aurait pu les voir rôder dans les parages avant un bon moment.
Ces barbares sont vraiment insupportables. On raconte qu'ils vivaient dans la forêt des sombres linceuls autrefois et qu'ils ont été chassés par les esprits à cause de leur comportement irrespectueux. Ils éprouvent depuis une vive amertume à l'encontre des Gridaniens qu'ils accusent de leur avoir volé leur place au sein de la Sylve. Méfie-toi jamais si tu les croises à nouveau, ces oiseaux de malheur, au cours de ces excursions. Quoi qu'il en soit, tu as fait du bon travail. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide dans le hameau. N'hésite pas à leur parler, je suis sûr que tes talents aventurières pourraient t'être utiles. Alors, allez. Ah, oh, mais non, mais attends. Prendre des trucs par rapport à ma classe. Alors, vous avez trouvé la garrigue et le bison ? Oui. Oui, c'est exactement ça. Regardez cette lueur si caractéristique de son espèce. C'était le dernier ingrédient qui nous manquait pour préparer le remède contre la foudroyante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette terrible affection. C'est une maladie endémique redoutable qui a jadis sévèrement frappé Gridania. Plus personne n'en meurt de nos jours depuis qu'on a mis au point de se remettre très efficace. Mais s'il venait à se déclarer à nouveau, nous ne pourrons rien faire sans ce médicament. Voilà pourquoi nous veillons toujours en avoir en stock ici au Moulin des Bois. Nous n'avons que peu de druides. Alors que nous devons être prêts à faire face à toutes les situations de crise, y compris en ayant toujours assez de médicaments en stock. Merci pour votre aide. Bon. Il n'y avait pas d'autre quête ici ? Ah bah voilà le truc. Vous avez nettoyé les bandes indicatrices, merci. Vous savez, certains monstres utilisent de plus en plus souvent ces poteaux pour pondre leurs œufs ces derniers temps. Ça doit être parce qu'ils trouvent moins d'arbres qui correspondent à leurs besoins. Mais des voyageurs cherchant leur route pourraient se retrouver attaqués par ces monstres. Si ceux-ci tentaient de protéger leur ponte, ce serait ennuyeux. Je devrais peut-être essayer de répandre de la liqueur de frelon. On s'en sert comme insecticide dans les champs des légumes de Guichal. Dametta s'est fait voler ses sacs de provisions par ses fourbes de popo. Ces derniers contenaient des fèves de Mutsui, et comme vous le savez, elles dégagent une odeur plus forte. On ne peut pas dire que ces opo-opo en soient particulièrement friands, mais ils sont tellement affamés ces temps-ci qu'ils s'échappent de tout et n'importe quoi. Il y avait 6 sacs en tout. Pourriez-vous les récupérer et les remettre à Dametta, s'il vous plaît? Cette dame est considérée comme la chef de file des ménagères du Moulin des Bois. Vous n'avez rien à perdre à faire à sa connaissance. Enfin, si vous risquez de perdre du temps, beaucoup de temps, Dametta est une grande bavarde. Bref, le Moulin des Bois se trouve au nord d'ici. Vous trouverez la meute de popo chapardeur sur votre chemin. Je compte sur vous. Ok.
Ça en fait des quêtes dans le coin. Hein. Il y a une aléa. On monte de niveau, vas-y, on change de classe. Voilà, c'était rapide. Ah, maintenant que j'ai plus le mentaliste, là, le combat va être beaucoup plus rapide et dynamique. Voilà. Ça va bien que je trouve quand même une autre compagnie. Parce que là, des Anglais. Vous avez quelque chose sur. Vous avez quelque chose pour moi, vous dites? Oh, mais c'est mes sacs de fèves. Vous êtes allé les récupérer pour moi? J'ai commencé à perdre espoir de les trouver un jour. Grâce à vous, je vais préparer mon fameux lait de Munti. Ça me fait penser de cette histoire. C'est mais arrivé l'autre jour. Vous savez que le lait de Munti est très amer d'origine, n'est-ce pas? Ah non, bah c'est pas vraiment d'importance. Figurez-vous que mon fils n'a pas attendu que je l'assaisonne avec des feuilles de micro-twig pour s'en servir d'un grand verre. C'est incroyable. Il n'en boit jamais d'habitude et là, il a avalé d'une seule traite. Mon petit garçon devra-t-il un adulte ou ses belles recettes étaient-elles tout simplement délicieuses? Tenez, l'autre jour, un élémentaliste m'a demandé de lui préparer un fût entier. C'est vrai que blablabla, la forêt des animaux, blablabla. Et une autre quête! Dameta cherche un condiment particulier pour préparer sa recette. Cela semble assez urgent. Oh là là, comment je vais faire? Je n'aurai jamais suffisamment de feuilles de micro-tug pour préparer ma recette. Ah vous, on peut dire que vous tombez à pic. Je sais que c'est un peu soudain, mais vous pouvez me rapporter 4 feuilles de micro-tug, s'il vous plaît? J'en ai besoin pour parfumer mon lait de Munti. Si je n'ajoute pas un peu, le breuvage sera imbuvable et j'ai horreur de gaspiller mes aliments. Je vous aurais bien accompagné, mais je dois surveiller le lait pour qu'il ne déborde pas. Je vous en prie, aidez-moi. Bah vas-y. On se fait ça en 2 speed. Et pas d'autre quête qui est apparu entre temps. Ouh, du niveau 47 là. Ouh. Ouh. Ouh, ça en touche pas ça. Thank you.
Voilà, c'est bon, c'est fait. Ah bon, bah déjà, vous m'avez apporté ce que je vous ai demandé? Oui. Alors, une, deux, trois. Oh, il y a bien quatre feuilles. Ce doux parfum est pourtant, j'en raffole. Les ingrédients que je récupère sur les bêtes sauvages sont eux aussi des dons de la nature. Comme le reste, cela convient de ne pas abuser de ces précieuses ressources. Voilà pourquoi les autres Gridaniens profiteront de la richesse de la cible uniquement lorsque c'est nécessaire. N'oubliez jamais que c'est grâce à la forêt et aux esprits que nous pouvons survivre. Et pour cela, il convient de se montrer reconnaissant de leur bienveillance. En parlant de cela, l'autre jour, j'ai surpris mon fils en train de s'amuser avec des fèves de Minty. Bien entendu, je l'ai grondé et je lui ai expliqué que c'est mal de jouer avec la nourriture. Mais pour être honnête avec vous, son imagination m'a stupéfaite. Le jeu qu'il a inventé avec son ami était très bien fiché et je me suis dit qu'il avait peut-être un don. Tenez, hier encore, il est venu dans la cuisine pour m'aider à préparer le repas qu'on avait. Alors qu'on a lavé les légumes, il a commencé à blablabla et ensuite il a blabla. Et un petit homme, pourquoi pas. Et il y a une autre quête encore là-bas. Un prochain rediff là.